Wesh les frérots, c'est Tonton Démonexion, j'espère que vous allez bien mes gros BG. On se retrouve aujourd'hui les frérots pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Nice. Oh, break it down. Il va falloir craquer son... Non mais c'est bon, ça y est, ça y est. Ouais, le titre de la vidéo c'est quoi aujourd'hui? Bah tout ce qu'on prend on achète. C'est vrai, c'est ça. Nadim, je sais que t'es un petit dessinateur toi. Ouais, j'aime bien dessiner. Je te rappelle d'avec quelques petits TikTok à l'époque et les abonnés t'avaient pas cru quand t'avais dessiné Marc Simpson et tout. Il avait dit c'était pas toi frère. Comment? Je te jure, tout ce que vous allez dessiner, je vous l'achète. Mais quand je dis tout, c'est tout frère. Bah salut, excuse-moi, j'aimerais bien acheter une voiture pour mes 17 ans. Ouais. Bah dessine là, vas-y dessine. Vas-y, vas-y. Tac, 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 les 4 roues. Ok, c'est moi je te l'achète. Bah vas-y, on y va. Ok, c'est moi je te l'achète. Bah vas-y. Bah vas-y. Fonce seul. Je vais prendre un chien et un chat, et je vais prendre un hamster. Calme-toi. Vous vous en doutez bien, les mecs, ça va pas être aussi simple que ça. C'est pas, je vais te donner une feuille, un stylo, tu dessines, hommes, c'est terminé. On est des hommes matures. Pas vrai, mensonge. Non, ouais. ça n'a rien à voir. Ah, sans la piste, c'est qui s'est pissé dessus? C'est moi. Oui, c'est vrai. En gros, comment ça va se passer, le mec? Bien. C'est pas, t'as une feuille, un stylo, tu dessines, et vas-y, on en parle plus. Non, c'est pas comme ça, ça marche pas comme ça. Déjà, pour commencer, il va y avoir 6 magasins, les mecs, ok? Ça veut dire, on va commencer avec King Jouet, ça va être le premier. Micromania, Boulanger, Apple. Bah, Micromania, ça me suffit déjà. On peut aller demander au boulanger une baguette. Par exemple, petite baguette, petit croissant, ça fait plaisir. Voilà, premier exemple, on va aller à King Jouet. Ouais. Vous avez une minute pour rentrer à King Jouet pour sniper tout ce qui se passe. Ouais. Vous allez regarder, vous allez miroiter tout ça. Pour un sniper, je tue les caissiers. Et après, on prend l'argent. On va tourner une roue, les mecs. Sur cette roue, il va y avoir des espèces de gages, on va appeler ça comme ça. Et en gros, ça va être par exemple, dessine, on va dire, des packs Pokémon. Donc tu vas dessiner un pack Pokémon et sur cette roue là, t'es tombé sur, on va dire, en faisant la roue. Donc faut que tu dessines de mieux. Ouais, pas mal. Le pack Pokémon en faisant la roue. Mais du coup, c'est toi qui vas décider si on l'a bien dessiné. Exactement. Si on reconnaît l'objet, d'accord, c'est gagné. Vas-y, c'est bon, je te l'achète. Allez. Si c'est gaze, bah, fais pas le... bah, alors, c'est ciao. Fais pas le mauvais si c'est gaze, non, je suis pas un mauvais joueur. Je vais être réglo. C'est bon, les mecs? Allez. Est-ce que vous avez compris, les frérots? Oui, vous l'avez compris. Non, moi, j'ai rien compris. Tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Hein? J'ai rien compris. Je peux non, c'est mort. Tu sais que je me dis, imagine, je fais Koh-Lanta et genre, je comprends aucune épreuve à chaque fois. Bah, tu fais comme les autres. Moi, c'est ce que je faisais. Moi aussi, mon dernier. Je laissais les gens faire. En plus, je faisais mes exercices. Moi aussi, moi, quand on faisait du sport, je reproduisais les autres. Du coup, c'est parti. On va commencer avec le premier. Je vous laisse une minute. Vous rentrez et vous ressortez. C'est bon, je vous attends ici. Moi, je viens pas avec vous. Comme ça, il faut que je devine. Il faut que les abonnés devinent. Ok? Mais qu'est-ce que je fous là? Ah, ça c'est bien ça! La Sandy Family. Mais wesh. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Il faut aller dans le plus cher. C'est cher, mieux c'est. Les gars, je vais prendre ça. Guettez ça. Oh là là, la frappe atomique. Oh, la tête d'homme, je prends ça, les gars. Dans le Range Rover. La Lamborghini. Ok, les gars, une Aventador. J'ai peut-être trouvé un truc. Ouais. Est-ce que c'est bon? Vous avez sniper ce que vous voulez? Là c'est bon. Mais là c'est King Jouet, donc là c'est tranquille. On est ok? Nadim, t'as l'objet que tu veux? Ouais. Ton support. Mon support. Allez. Ton support. Allez. Non, c'est moi, bon. Je suis plus top lane. Allez, mon support. Ta feuille? Ouais, j'ai ma feuille. Ta feuille. Maintenant, ce qui te reste à faire, ça va être de tourner la roue et de voir avec quoi tu vas devoir dessiner l'objet que tu as dans ta tête. C'est bon? Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. 3, 2, 1. Écoute, bah, y a pas de... L'objet ou le gage, pardon. Alors, il faut que quelqu'un te fasse le dessin à ta place. Donc tu vas demander à quelqu'un dans la rue. Non. Qui te fasse le dessin. Non, arrête, j'ai peur. C'est bon. Nadim, attends de tourner. Ah si frère, ah si frère. Nadim, tu es tombé sur... Il faut que tu fasses le dessin en gainage. Il faut que tu fasses le gainage. En faisant le gainage, il faut que tu réussisses à dessiner ce que t'as dans la tête. C'est bon? Top chrono, vous avez 2 minutes. C'est parti. 2 minutes pour réussir à dessiner ce que vous avez en tête. Moi, j'étais trop... C'est parti, Rémi. J'étais trop timide. T'as des troubles de la timidité. Nadim, il est chaud. Nadim, il est parti, les mecs. Nadim, il respecte bien le défi, ça part. Non, j'ai peur. Excusez-moi, en fait on fait une vidéo et en fait j'ai un gage, c'est que je dois faire dessiner à quelqu'un une petite voiture. Est-ce que vous pouvez dessiner une petite voiture pour moi s'il vous plaît? Le gars Nadim, il est en total gainage. Total gainage. Ah, pas français? Ah, pas grave. Il parle pas français. Il parle pas bon. Il parle pas bon. Troupe de la timidité, c'est pas grave. Bon bah j'ai perdu. Allez, continue. Continue, il te reste une minute. Non mais arrête, moi je stresse. Une minute. On va trouver quelqu'un sur le parking, cours. Mais j'ai le trop. J'ai peur. Les frérots, ils sont un peu en galère, je vais pas se mentir. Rémi, les gars, il a des troubles de la timidité, il a dit. Il est tombé sur quelqu'un qui parlait pas français. Nadim, c'est quoi ce gainage là? C'est quoi ce gainage? Gain. Ah, mais non, mais c'est sur des... Bah oui, sinon ça serait trop facile, frère. Tu gagnes sur ta voiture? Hein? J'ai la tête qui tourne. Ok, bonhomme. Bonhomme ici. Les gars, ça c'est la preuve que... Message pour ma génération. Hashtag mentalité Kaizen. Les gars, dans la vie, il faut pas avoir peur. Parce que quand t'as peur... Hein? En fait, les gens, ils vont plus avoir peur de toi. Donc, arrête d'avoir peur et fais ce que t'as pas peur. Voilà. Excusez-moi. Lève.
Merci. Pourquoi tu boudes ? Rémi, il est tout au fond. Il est en train de combattre son trouble de la timidité. Allez, Rémi, allez ! En fait, je fais une vidéo. Est-ce que tu pourrais me dessiner une petite voiture, s'il vous plaît ? Une voiture. Nadine, tu gagnes rien, là. Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ce gainage en ciseaux, là ? Lève ! Ouais, une petite voiture. Ça vous dérange pas. C'est tout ce que les gens dessinent, et il achète, mon frère. Il l'achète ? Ouais, là, il va acheter une petite voiture à King Jouet. Ce sont pas comme concept. Elle est un peu vieille, la voiture. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, au revoir. Bon, let's go, let's go. Ok, voilà les gars, mentalité Kaizen. 5. Ah, ils étaient trop gentils, la team. La team, ils étaient trop gentils. 3. La team, ils étaient trop gentils. 1, c'est fini, on arrête. Combattu ton trouble de la timidité ? Je les ai vus de loin. C'est des bisous, je me suis dit, vas-y, je vais les. Je vais faire des bisous avec eux. Vas-y, je vais leur faire des bisous aussi. Ils sont trop gentils. Nadim, t'as fini ? Ouais. Ok. Rémi, t'as fini ? Bah, bien sûr. Parfait, on va découvrir ça. Comment je gagne sur des cailloux ? Sur des cailloux. Cailloux. Mais de toute façon, t'arrives pas à gagner déjà de base. Cailloux. Et on commence par moi ? Alors, on commence par Rémi. Allez. Alors, Rémi, les frérots, dans les commentaires, vous dites si vous avez réussi à deviner ou pas. C'est parti, Rémi, montre-nous ton dessin. Alors, c'est une voiture. Bah voilà, c'est bon. Ouais, mais y'a pas de voiture, frérot. Ça se voit, c'est une mini voiture. Non, non bah, ça y là, est. On dirait une vraie voiture, frère. Bah, ça y est, t'as combattu ton trouble de la timidité, tu commences à faire malin. Travaille plus. Travaille pas. Feignant. Feignant. C'est quoi, vas-y, celui-là, je te l'accorde. Je te l'accorde. Celui-là, je te l'accorde. C'est bon. C'est la dernière fois, frère. Ouais, c'est bon. Les prochains, on précise si c'est miniature, si c'est grand. Parce que là, t'aurais pu faire un enfant dedans. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Nadim, à toi. Les gars, on va découvrir celui de Nadim. Il l'a fait quand il faisait du gainage. C'est bon ? Alors. Mais c'est quoi ça ? Mais moi aussi. Mais pourquoi tu l'as fait en 8 fois ? Bah parce que y'en a qui se trippent. Il y a grave lumière. Non mais là je suis désolé les gars. S'il te plaît, tu réussis, tu vois, c'est quel animal ? Alors j'aurais dit un dinosaure avec un zizi sur le crâne. Moi tu sais, j'aurais dit quoi ? Une tortue. Tortue. Attends, il l'a fait derrière ? Ouais, il a fait pareil. Un dinosaure. Tout le monde sait que c'est un. Bah. Hein ? Mais gros, c'est quoi? Ouais, moi je te dis, il sourit. Moi je te dis, c'est un tyrannosaure avec un sgeg sur le crâne. Ouais, c'est quoi la première lettre? Bah non. Je sais pas ce que c'est, frère. C'était quoi, du coup? Les gars, je suis désolé. C'était quoi? Hein? T'as un éléphant? Regarde. Non, c'est pas un éléphant. Toi aussi tu savais pas qu'est-ce que c'était, Rémi. Si c'était une voiture, on sait que c'est une voiture. Attends, on sait même pas que c'était un éléphant. Moi j'aurais dit que c'était un dinosaure avec 15 boobs. C'est pas grave parce que c'est la première game. Non mais je peux pas. Ah, il voulait vraiment l'éléphant. C'est un doudou, il a dit. Mais non, c'est pas un doudou éléphant, je suis désolé. Tu remportes le premier truc ? Ouais. On va l'acheter. Là, je suis content. On va l'acheter. C'était un éléphant, c'est logique. Il y a un seul animal qui a une trompe, un éléphant. Il se bouge sur la tête. C'était vraiment un humour enfantin. Excuse-nous, mec, voiture. T'as vraiment un humour enfantin. Tous les enfantins. King Jouet, du coup, on va acheter ta voiture. Oh le chien. J'ai dit celle-là. Tu veux pas prendre un petit Vespa ? Rémi, ta première Lambo. Ta première Lambo à quel âge ? 17 ans, ça va. T'es un crack. T'es un monstre. 270 balles. On la prend là avec nous dans les mains ? Bah non, tu la mets dans ton slip. T'es mal la couleur de mes habits ? Je me sens jamais mieux que dans mes zizi. Et ceux qui me caressent pour les abos, je suis tout terrain. Au secours ! Nadim, il a pas eu son éléphant, mais non. Nadim, c'est pas grave, tu vas te rattraper maintenant. Parce que là, les frérots, on va aller chez Micromania. Nadim, cette fois-ci, c'est toi qui auras la caméra, mec. Et tu vas montrer ce que tu vas acheter. Les mecs, on vient d'entrer. Je pars direct vers les cartes cadeaux. Ils sont où, les cartes cadeaux? Il y a pas de cartes cadeaux. Oh, attends, ils sont là, les cartes cadeaux. Choisissez n'importe quel montant. Ah, mais 300 euros dessus, regardez. Allez, c'est parti. Ok, bon, les mecs, normalement, vous avez eu le temps d'aller checker ce que vous vouliez. C'est bon ou pas? Nadim, on est bon? Ouais. Rémi, on est bon? Ouais. Vous êtes sûr, c'est bon, Micromania. Nadim, tu peux tourner la roue cette fois-ci. Allez. 3, 2, 1, tourne-moi cette roue, mec. Attention, Nadim devra dessiner. Sur rien. Dessiner. Debout sans table. Let's go. Debout sans table. Sans ça là, ça veut dire sans support, t'as compris? Du coup je peux dessiner comme ça? Non, bah non, c'est ce que je viens de te dire, sans support. Mais comment je la tiens? Calme-toi, calme-toi. Ça n'a pas commencé. Calme-toi. 3, 2, 1. Rémi, tu tombes sur. Si je dessine comme ça, il y a un support? Sans stylo. Il faut que t'en trouves un. Rémi, il faut que tu combats encore une fois. T'en trompes la timidité, Rémi. Il faut que tu demandes à quelqu'un un stylo. Cette fois-ci, je vous laisse plutôt 5 minutes. J'ai le droit de dessiner avec lui. 3, 2, 1, 5 minutes top chrono, les gars, cette fois-ci. Les mecs, Nadim, il faut qu'il dessine sans support.
sans support. Il est stressé. Il va falloir que je batte encore ma timidité. Peut-être avec un caillou. Attends, je vais mettre de la. Tu pourras pas avec un caillou, frère. Tu pourras pas, gros. Rémi, cherche un stylo. Demande à quelqu'un un stylo, Rémi. Encore ? Tu vas pas faire avec un caillou ? Non, ah oui, la balle. Ton trouble de la timidité. Ça, sans support. Sans support, Nadim. Sans support. Faut que je devine ce que tu dessines. Il y arrive. La langue, ça veut dire qu'il est très concentré. Est-ce que vous aurez un stylo, s'il vous plaît, pour. Vous n'avez pas ? Ah, désolé de vous déranger. Je peux le garder. Ah, je peux le garder ? D'accord, merci beaucoup en tout cas. Passez une bonne journée, au revoir. T'as trouvé un stylo ? T'as encore... Alerte au Google ! Par combattu ton trouble ? Je le bats de jour en jour. J'ai battu mon trouble de la timidité. Toujours vaincre sa timidité. Les gars, si Nadim a la langue tirée, ça veut dire qu'on arrête de jouer. En plus, il réfléchit. On dirait YouTube. Bah t'as fait YouTube, Nadim. Ok, Rémi, les gars, il est super concentré. Nadim qui change de technique. Il fait la technique du chien qui chie sur un arbre, les mecs. Celle-là, elle est pas mal aussi. Ah, t'es en train de te cacher du vent. Le vent lui pose problème, les mecs. Du coup, il colle ses fesses sur un arbre. Les gars, chacun cette technique. On juge pas, les frérots. Il reste encore quelques minutes, les frérots. Il reste combien de temps? Attendez, je vais regarder. Il reste 50 secondes. 50 secondes. C'est maintenant. Nadim, il est toujours sur la technique du chien contre l'arbre. C'est fini pour Nadim. Rémi, il va falloir terminer. Il reste 30 secondes. Attends, j'ai pas trop fini. Ok, Nadim, tu récupères la technique du chien. Pardon. Je crois que c'était un vrai chien. 5, 4, 3, 2, 1 et c'est terminé. Pour vous les copains, c'est parti. C'est fini. C'est le moment de découvrir qui a dessiné quoi. Nous découvrons le dessin de Nadim. Alors les frérots, qu'est-ce que c'est? Je sais pas trop quoi dire. Tu peux dire qu'est-ce que j'ai écrit? Non. Alors t'as écrit plat. Non. Plat. Oh, bordel. Tu sais qu'il y a un i après le 1. Il y a un i après le 1. Non, mais bah, au pire. Attends, laisse-moi regarder. Non, mais lis, qu'est-ce qu'il y a en bas? Ça, c'est quoi ça? Past? Non, là, pastis. C'est... Non, là, il y a un L. Play Store. Mais elle nous a dit la carte. Non, c'est écrit Play Store. C'est moi qui l'ai écrit. Non, c'est toi qui viens de dire. Là, je peux remarquer que c'est un truc du coup que tu mets dans les rayons. Si je devine Play Store et là, c'est le logo, c'est pas le logo YouTube, c'est le logo Google. Donc, c'est une carte Google. Nadim, t'as donné trop d'indices, tu mérites 20 euros. Regarde, tu décides pas le montant. Bah si, les cartes Play Store c'est entre 5 et 300 euros. Bah parce que tu veux combien toi? Mais 300. Oh, 300. Rémi, attends de dire. Alors là, en vrai, t'as pas besoin d'aider. Ah bah c'est facile. T'avais fait le clavier, AZERTY, tout ça, tac. Ok, donc toi c'est un clavier. Exactement, c'est ce qu'il me faut. Mais tu sais pourquoi t'as réussi? Parce que c'est juste parce que t'as combattu ton trouble de la timidité. Mais tu sais que c'est vrai, hein. Sinon t'aurais jamais réussi. Il faut toujours combattre la timidité, hein. Vraiment, c'est un cheat code. Ouais, c'est vrai. Il faut toujours oser dans la vie. Là, je me sens mieux là. Voilà, t'as gagné un clavier. Et Nadim, t'as gagné un pastis. Nadim, t'as gagné un pastis. Un pastis. Où est-ce qu'il fait? T'as vu la jeunesse ou pas? C'est juste. T'as vu la jeunesse d'aujourd'hui? Oui, pas content. Il y a 20 balles. Il voulait 300. Il voulait 300, mais d'ailleurs. Il voulait 300 et un pastis. Il est voilà. Complètement fou, lui. Merci, je suis sûr, il va la chercher. Tiens, vas-y. Il est complètement fou l'homme pastis. Les gars ils sont contents. Nadim, il a 5. Non, il est pas trop content, Nadim. Je change de clavier. Rémi, c'est bon? Là, c'est bon. Petit clavier, bien vu. Les mecs, cette fois-ci, on va enchaîner avec Nike. C'est Nike. Rémi, je te laisse la caméra. C'est parti pour allez, Nike. C'est qu'un truc. Hein. C'est qu'un truc. Ok. Après, si tu dessines genre un mode, un survêtement, bah c'est le haut et le bas. Ouais. Tu okay, veux que le bas, ça, c'est le ça, c'est pas mal ça. Allez, bonne chance. C'est pas mal. Je crois que j'ai trouvé ce que je voulais prendre. Les gars, je vais chercher dans les jogos. Ah, ça peut être bien. Un petit jogo comme ça là. Bon, je pense que je prends une petite veste. Une petite veste. Ah, oui, ça c'est bien ça. Voilà, les gars, je pense que je prends une chaussure. Les gars, je sais pas quoi prendre. Je pense partir sur une petite doudoune, un petit manteau. Les frérots, ça y est, ils ont été checker ce qu'ils voulaient à Nike. Est-ce qu'on est bon, Nadim? T'as jeté un coup. C'est parti pour Rémi. Les gars, Rémi qui lance la roue. Mais arrête de mettre ton doigt. Et on tombe sur... Alors, il faut que tu fasses 50 suicides en 5 minutes tout en dessinant ton dessin. C'est quoi ça? C'est vraiment abusé en fait. C'est bon ou pas? En fait, ça veut dire. Tu dois suicider 50 fois. Il doit suicider. Non, il peut pas suicider 50 fois. Si tu n'as pas terminé 50 suicides. Vas-y, c'est bon, c'est bon. Ton dessin, c'est fini. Si t'as pas fini ton dessin, ça c'est ton souci. Si t'as pas fini les 50 suicides, c'est éliminé directement. Parfait. Nadim, attends. 6 suicides par minute, mais c'est impossible. Si, mais c'est impossible. Si. Ouais, de vrai. Allez. Nadim qui fait. Oh, il va falloir que tu fasses ce dessin de dos. Tu dessines dans le dos et tu peux regarder parfois ce qui se passe. 5 minutes, c'est lancé. Rémi, c'est parti. Rémi, ça fait un suicide. Ok, ça part. Il faut que tu dessines, n'oublie pas de dessiner. Nadim, c'est parti. Non, de dos. Tourne-toi. Voilà, là, tu peux regarder. En fait, quand tu lèves le stylo, tu peux regarder. Voilà, vas-y, pose le stylo. Tu regardes devant. Voilà, c'est bon, man. Non, tu regardes pas. Vas-y, voilà, fais ton trait. Voilà. Ah non, il a mal. Oh non. Je suis à 10. Ah non. Eh bah oui, t'as à 10. Tourne-toi, Nadim, tourne-toi. Voilà. Regarde, Rémi, il est au bout de sa vie. Nadim, tu regardes. Ok, voilà, c'est bon, Nadim, t'as le truc. Nadim, arrête de tricher, je t'ai vu. J'ai 18 là. Il t'en reste beaucoup, frère. J'ai mal à ma
T'as mal à ta verrue. Bah, elle est sur ton pied, ta verrue. Mais t'écris avec ta main, pourquoi t'as mal au pied, frère? Arrête de faire ton acteur, toi, là. T'es à combien, toi? 30. Elle a dit, je pense qu'il reste plus beaucoup de temps, man. C'est bon. 28. Rémi, trace de suicide, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Oh, oh. Non, je te désaccorde, je te désaccorde. Il en reste deux, je t'accorde. Allez, on vérifie. Attends. On vérifie. Découvrons ton dessin, tu t'es arrêté du coup à 48 suicides, te valide les deux. Ok, parce que lui, frère, depuis tout à l'heure, on l'accepte. Ah. C'est parti. Alors, j'ai trois essais, c'est bon? Il a pas d'essai. Ouais. Premier essai. Il a pas d'essai. Qu'est-ce qu'il dit là? C'est une veste. Non. C'est pas une veste. C'est un manteau. Ouais, c'est bon. Nadim, montre-nous s'il te plaît, c'est une raquette de tennis. Non, ça va, en vrai, on reconnaît le truc Jordan. Une paire de Jordan? Ok, c'est validé. Ils ont réussi à me faire deviner. Nadim, c'était limite, c'est la dernière fois. Il reste Boulanger à Apple, c'est-à-dire les deux plus gros. J'accepterai plus rien. Ok, si tu triches, c'est éliminé directement. Rémi, si même il te reste deux suicides, c'est terminé aussi, c'est ouais, bon? Regarde au début, parfait. J'ai fait quoi? Ah, ça vit, hein. Ah, les clodos, ils sont contents, attends, hein. Pas, ah, ça, sa première veste depuis 2012. Eh ouais. Ouais. La chute, pas de c'est bon les clodos, vous êtes contents? Oui, j'ai froid. On enchaîne ou pas? Oui, j'ai froid. Mr. Bill Kicks, wow. Prochain dessin. Allez. Les frérots, Mike, c'est terminé. Et cette fois-ci, on va enchaîner avec Boulanger. Les mecs, on arrête de rigoler. Là, ça va être du très sérieux. Et pour la peine, les frérots, vous pouvez y aller, mais on montre pas aux abonnés. Ah, okay. C'est différent. Vous pouvez aller checker. Allez-y, c'est bon. Vas-y. Allez. Rentrez dans le magasin. On va devoir deviner ensemble, les mecs. C'est bon ou pas? Let's go. C'est bon? Ouais. On est bon? Nadim, c'est ce que tu vas prendre? Ouais. Ok, c'est parfait. Rémi, je te laisse tourner. À toi de jouer, mec. C'est maintenant ou jamais, Rémi. Allez. C'est maintenant ou jamais, Rémi. Tu tombes sûr? Il faut que tu fasses le dessin. Là, c'est abusé. Sur un skateboard. T'es du les pires. Sur un skateboard. Oh shit! Oh shit! Qu'est-ce que tu fais, frère? T'as vu? C'est un respirateur. Comment ça, t'as vu? C'est un respirateur. Mais range, frère, range, gros. C'est un taïgène, hein? Vas-y, remets ça là-bas, frère. Remets ça là-bas, il va chercher un skate, toi. À toi, Rémi, il va devoir faire la game sur un skateboard. Alors, Nadim. Nadim, tu feras ton dessin. Les yeux fermés. Je suis content. Je vais te sauver peut-être un peu. Je vais te sauver peut-être. Ça y est, j'en ai marre de payer les gars. J'en ai marre de khalas. C'est écrit en faisant du skate, pas en étant debout sur du skate. Donc il faut qu'il roule. J'avance. C'est bon, tu es là. Eh bah, you mon truc. Nadim, il a son bandeau sur les yeux. Rémi, son skateboard, allez. Il est là. 5 minutes top chrono, c'est parti les gars. Vous pouvez quand vous voulez. Ok. Vas-y, faut que tu dessines là. Oh, toi t'es mal barré toi. Nadim, tu triches pas, hein. Je te connais toi. Ok Nadim, je comprends pas trop, mais il est là, il essaye. Ok. Fais gaffe la roue, frère. Shit. Fais gaffe la roue, frère. C'est bon, j'ai fini moi. Nadim, t'es en train de descendre, t'es en train de dessiner sur le truc là, frère. Vas-y, c'est bon, non? T'as fini toi? Ouais. Vous finissez avant l'heure? Il vous reste exactement encore 2 minutes. Casse-toi toi, qu'est-ce que tu fais, frère? Va dessiner toi. Ouais, t'es sûr? Sûr. Ok, c'est bon, on vérifie. Nadim, c'est bon? Ouais. Ok, on vérifie. Ce que tu as dessiné du coup, les yeux fermés. C'est quoi? Bah non, j'entends c'est quoi là? Rémi. Comment ça réfléchis? Réfléchis encore un peu. Bah frère, t'as dessiné un truc pour étendre le linge. Télé? Ah, ça c'était une télé ça. Ouais. Rémi? Plusieurs dessins. 4K 600 FPS. Je vais l'entendre. Bah là, t'as fait une télé parce qu'on a compris le 4K. Là, t'as carrément donné, frère. C'est gaze, vous avez fait n'importe quoi. Vous avez fait n'importe quoi. Ça a jeté ta chaussure. Frère, t'as pas donné un indice. T'as donné la réponse. Fallait juste deviner que c'était une télé. Les gars, on a dit qu'on était plus bancal à partir de maintenant. C'est zéro. Vous avez fait la même chose les deux, bande de mongols. Il y a des PC portables. Ah ouais. Bah oui, il y avait PC portables, frère. Je sais pas pourquoi vous avez tous pris une télé. Parfait. Allez, sur ce, allez, c'est ciao. C'est parti, on retourne. Il est l'heure de manger, les mecs, ok? Il est midi, ils ont faim. Vous pouvez tourner. Il va falloir que vous dessiniez ce que vous voulez manger. Si vous voulez un tacos, faut préciser ce qu'il y a dedans. Mais comment tu précises ce qu'il y a dedans en dessinant? En écrivant ce qu'il y a dedans, cette fois-ci je peux écrire. Faut mettre les viandes. Les pizzas aussi. Nadim, tu vas dessiner sur un pied. C'est facile. Le pire, ça va être iPhone, après ça va être Apple. Donc s'il est facile, il part maintenant, je suis content. 3, 2, 1, tu peux lancer. Rémi, tu feras en mangeant la chips la plus piquante. Mais Rémi, c'est bien. C'est juste avant de manger. Non. C'est parti, les mecs. Est-ce que vous êtes prêts? C'est lancé. Rémi, tu as 5 minutes pour la manger, pour la déballer, pour ce que tu veux. Si c'est non, c'est ciao. Nadim, il a déjà commencé. Nadim, il est chaud. Nadim, sur un pied. Oh, le pied, il est posé. Ok, Nadim, ça remonte le pied et ça dessine. Il y a trop de vent. Oui, Nadim. Les gars, la langue, elle est tirée. Ça y est, il est concentré. Le pied, Rémi. Je sais pas quoi faire. Bah, frère, le temps, il défile. Nadim, le pied. Lève, petit flamant rose. Ça tient, la jambe, elle tremble. Ok, cloche-pied. Yes. Oui. Mais pose-le à ton pied sinon frère. Il est super. Rémi, le temps il défile frère. Rémi.
Ok, 3-6 au pied. Ok, ça tient Nadim. Ok, nouvelle technique. Il adopte une nouvelle technique. Je mange pas. Ok, Rémi mange pas. Je ne fais pas. C'est le chaos, c'est éliminé. Pas, ok. Nadim, avant les mecs, il avait la position du caca sur l'arbre. Là, il a la position du pipi sur le trottoir. Rémi, toi, c'est mort. Tu manges tes doigts, frère. Tu vas nous regarder manger. Oui. Lève le pied, lève le pied. Lève le pied. Après, Nadim, je t'ai pas dit qu'il fallait faire une dictée. Fini. Ok, on découvre. Rémi, je peux pas. C'est fini? Je peux pas. Je peux pas de dessin? Rémi, tu manges tes doigts. On découvre ton dessin. Connaissant Nadim, donc c'est forcément un tacos. Dedans, nous avons du cordon bleu. Il y a un S à bleu, c'est ça? Ouais. Ok, parce que. Ok. Ensuite, sauce. Rémi, s'il te plaît, est-ce que t'arrives à lire cette sauce? Donc Nadim, tout ce que je comprends pas, tu prends pas. Brasque. Barbecue. Sauce barbecue. En dessous, plus sauce berger. Nadim, tacos. Viande, cordon bleu, parce qu'ils ont plusieurs bleus, les cordons. Non, non, mais attends, c'est écrit pas barbe. La sauce barque. La sauce barque cuit. Plus la sauce berger. C'est validé Nadim, j'ai tout compris. Nous allons prendre notre petit tacos avec Nadim. Ça fait plaisir? On y va les mecs. Je ramasse tacos, ça va se casser le ventre. Ouais, trop Na, Rémi, ça va nous regarder. Très allez Rémi, tu restes là. Bien. Reste là, ça rien. Il est content, il est content. Voilà. Ouais Nadim, cochon dingue. Régime. Rémi, mange tes doigts. S'il te plaît, attends. Viens, attends, une chips. Enfin, une frite. Non, les mecs, on va manger et on passe au suivant. De toute façon, moi les gars, j'ai pas besoin de manger, je suis au régime. Donc moi, les gars, bac de sport, tout dans la tête. Mais juste une petite chips. Non. Pas une petite. Non. Pas une. Les frérots, après avoir bien mangé, Nadine, est-ce que tu t'es cassé le ventre avec ce petit taco ça? Incroyable. Il fait bien. Rémi. Rémi, c'est pas grave, frère, c'est pas grave. On arrive au dernier des derniers et là on va arrêter de rigoler parce que cette fois-ci c'est Apple. Il y a des iPhones, il y a des ordinateurs, il y a des casques, il y a des écouteurs, il y a tout ce que vous voulez. Prends ce que tu veux, Nadim, c'est parti ou pas? L'iPhone 16 là? C'est quoi, Rémi, c'est toi qui vas montrer ce que tu vas acheter. Vas-y, et moi je reste ici, faut que je devine, c'est bon? Aucune pitié. Allez les gars, la team, c'est parti. Les mecs, moi j'ai un casque Jibl. Je suis trop un nouveau casque Jibl ou un nouveau casque iPhone. Okay, les gars, on va voir ce qu'il y a dedans. Ouais, pas mal, frère. Merci. Pas mal, hein. Tu veux quoi toi? Il est tout petit. Tu veux changer de casque? Ouais. Tu veux quoi? Casque Jibl. Tu veux prendre un quoi? Casque Jibl. Jibl? Ouais. Oh, les gars, c'est ça qu'il me faut. Les gars, je veux ça. Nadim, je veux ça, Nadim. C'est pas un casque Jibl, ça. Les gars, je pars sur ça, les gars. Il me faut le PC. Nadim, il me faut le PC. Clodo sont de retour. Le hasard a bien fait les choses, les mecs. Il reste, je crois, les gages les plus compliqués. Enfin, il y avait quand même la chips la plus piquante. Elle faisait partie des plus dures, j'avais mis. Mais là, ce qui reste, les gars, c'est que des dingueries. C'est parti, Rémi qui lance la roue. Attention Rémi qui va tomber sur. Tu vas devoir dessiner avec le stylo dans la bouche et tes deux mains attachées. Allez Nadim, c'est maintenant, c'est ton moment Nadim. C'est ton moment Nadim. Nadim qui va tomber sur. Tu vas devoir dessiner en faisant la perche. C'est bon ou pas le man? Nadim, pense à ton casque Jibl. T'en as marre de ton casque Jibl. Je me mets torse nu comme ça. Non, t'as pas besoin d'être torse nu. 5 minutes, c'est lancé. Bonne chance. Rémi, je te mets la caméra juste en face de toi. Il n'y a pas de triche, sinon c'est élimination. Tu connais les règles. Ouais. Ok, team, on va faire un ordinateur. Oh shit! Il est chaud. Il va y arriver. Rémi, comment il s'en sort? C'est pas ouf, hein, quand même. Ok. Oh là là, il va casser le truc. Nadim, tu vas y arriver, frère. J'en doute pas, Nadim. Ah, je peux pas. Je veux pas, je me suis. Bave pas sur la feuille, frère. Allez, Nadim. Oui. Ok. Et c'est maintenant, Nadim. Ça y est, tu l'as. Je peux chavir dans un sac. Allez, on s'en va. Ah, je me bave dessus. Et les gens qui passent en voiture, ils vont nous prendre pour des zinzins, frère. Il marche plus. Tu dégoûtes, frère. Usain Bolt. Nouvelle tentative, Usain Bolt. Ou elle part celle-là. Bon, celle-là, elle part. Bon, celle-là, je la sens bien, celle-là. Nope. Ah. Les gars, ils vont y arriver. Je le sens qu'ils vont y arriver. Ouais, t'as bavé sur la feuille. Gros porc. Oui, Nadim. Oui, nouvelle tentative. Nouvelle tentative de Usain Bolt. 3, 2, 1, ça monte. Oh là là. Il l'a. Ah. Faut écrire maintenant, Nadim. Mais arrête de cracher, frère. Les gars, il y a une voiture qui est en train de poser des questions là-bas. Rémi. C'est le moment de découvrir leur dessin. Je crois que c'était pas très très fameux les gars de ce que j'ai pu voir. On va découvrir ça. Rémi. Faut avoir un peu d'imagination. Allez, viens. Un ordinateur portable. Bon. Là.
Là, ça ressemble. J'ai même pas envie de montrer avec mon doigt parce que tu chies sur la feuille, clairement. Rémi, ça dégage. C'est zéro, frère. Ça dégage. Nadim. J'ai essayé. Nadim. Nadim, t'as essayé, frère. Et ça, déjà, c'est déjà énorme. C'est plus important, Nadim, ok? Toujours, t'as remporté 30 balles, Nadim, sur Play Store? Tu vas te régaler sur Roblox? Sur tout ce que tu veux, Minecraft et tout? Je roule en lambeau, tu roules en Twingo. Si. Les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo là. Si c'est le cas, vous m'exposez des pouces bleus. On peut se faire un épisode de Les Refs avec d'autres magasins. Vous pouvez mettre dans la description d'autres magasins. Ouais, Louis Vuitton, Gucci. Par exemple, non, vraiment, premier degré. Et on pourra faire. Primark. Ok? Primark. Voilà. Ouais. Primark. Merci d'avoir participé, c'était un plaisir. Ciao, Nadim. Ciao.